arrive à comprendre et découvrir tous les nouveaux items qui ont été rajoutés et supprimés pour la saison 2024, t'es tombé sur la bonne vidéo. On va t'expliquer quels sont les items broken pour pouvoir grind avec certains champions et ceux qui sont pas du tout équilibrés et certains champions, certains items qui ont été en fait re-rajoutés malgré des items, voilà, ça fait 5, 6, 7, 8 ans qui ont été supprimés, qui les rajoutent enfin, où souvent il y a beaucoup de ce recyclage chez Riot concrètement, et on demandait tout ça. Concrètement, il y a déjà beaucoup un petit basic item qui a été rajouté, qui va être rajouté de la hast, qui va être surtout servir pour pouvoir faire des crafts. Et surtout, un truc très important, ça va être l'item support qui va être rework, d'accord ? World Atlas, avant on avait le choix entre 4 items, 2 items AD, 2 items... 6 items, 2 items AD, 2 items AP, 2 items tank, avec des variantes plutôt AP, plutôt AD. Et concrètement, là maintenant, c'est un truc générique qui est World Atlas, qui va stacker beaucoup plus facilement avec les 2 mètres sur les champions ennemis, d'accord. Il faut savoir que les charges vont rapporter plus de gold, donc il sera stacké plus rapidement en tant que support, d'accord. En mêlée, ça va être quasiment la même, mais ça va être un peu différent par rapport à ça. D'accord. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'item va rapporter beaucoup plus de gold par seconde, d'accord. Et son upgrade va rapporter 5 gold toutes les 10 secondes, ce qui est aussi beaucoup plus qu'avant. Et donc ça, c'est vraiment hyper intéressant. Problème, c'est que ça va être nerfed par rapport aux supports qui vont être AP ou AD, parce que vous n'avez plus ce gain de stats AP ou ce gain de stats AP qui permettait d'avoir un gros avantage sur League of Legends. D'accord. Donc... d'autres petits items épiques qui ont été rajoutés, on a le Rectrix qui permet d'avoir de l'attaque et la move speed, très intéressant sur pas mal de match-up top lane pour pouvoir avoir votre leading early game. Le Tunneler qui a été rajouté, concrètement ça c'est un peu similaire au marteau de Caulfield, ils ont juste enlevé la CDR, d'accord. Le Phage qui a été remis en place avec le petit boost de move speed et qui va permettre de craft d'autres items, d'accord. C'est surtout des items intermédiaires donc ils vont pas forcément être hyper utiles, ils ont changé certains craft de certains items. Le déguisement hanté qui est un item qui date d'il y a 5-6 ans à l'époque avec lequel on faisait le Liandry, et maintenant on va faire aussi le Rift Maker avec. Et le Brutalizer qui est un item qui date d'il y a encore plus longtemps concrètement, qui se jouait beaucoup avec Jax, je me souviens à l'époque, qui permettait d'avoir de la létalité assez rapidement et de faire énormément de dégâts. Maintenant dans les items légendaires, on a quelques petites particularités. On a les items support qui se finissent en item légendaire et on aura 5 variantes qu'on voit juste là, d'accord. Tout d'abord, on va commencer avec un item qui va jouer pour les tanks slash support. C'est un item qui va, un peu comme la plaque du mort, te donner de la move speed bonus et va synergiser sur quelque chose qui est assez intéressant. C'est de donner de la move speed à tes alliés qui te suivent. Comme ce que fait l'élixir de fer, l'item qui coûte 500 gold juste au-dessus là-haut. C'est un item qui va permettre de faire booster tes alliés qui sont en train de te suivre. Donc ça va être hyper intéressant avec des Rels, avec des Leona ou autre, pour pouvoir que ta team ait un meilleur follow-up avec un petit boost de move speed, d'accord. Donc ça c'est un item qui est hyper intéressant pour ça, d'accord. Pour avoir ses côtés all-in, et ça va être même peut-être jouable avec des champions comme Seth ou autre, qui vont pouvoir permettre de rendre Seth plus viable en tant que support pour pouvoir grind. D'accord. Donc petit boost de move speed quand vous vous déplacez, l'item se stack comme la plaque du mort. Concrètement c'est une rework totale de la plaque du mort avec une zone qu'on voit derrière qui va permettre aux alliés d'avoir des boosts de move speed. Et pareil quand vous frappez un ennemi, et ben l'ennemi va être slow. Ensuite un nouvel item légendaire, et donc il n'y a plus d'item mythique on précise, Zoomies, qui est un item qui va donner de la move speed, de la lité et de l'attaque. Concrètement un item qui va être joué pour les assassins. C'est un item qui va concrètement se jouer pour les assassins et qui va donner des boosts de move speed, des boosts de létalité en fonction de tes trades et des kills que tu fais. C'est un item qui va être vraiment broken pour pouvoir t'enfuir, par exemple avec des Z. Et qu'est-ce qui va se passer? Tu vas presser, tu vas tuer quelqu'un et tu vas pas pouvoir facilement t'enfuir parce que le 50 de move speed, c'est quasiment 50% de ta move speed pour pouvoir fuir. C'est un mini proc de fantôme qui va être vraiment broken. D'accord. Un nouvel item pour la mid lane, c'est le Malignance. Alors je sais pas comment en français ils vont l'appeler, mais concrètement c'est un item qui va te donner de la haste pour ton ultime et qui va te permettre d'avoir des procs quand tu vas lancer tes ultimes. C'est un peu un item qui va marcher pareil que la Radiance qui joue beaucoup avec les supports, qui permet de heal en AOE. Et ben là c'est un peu son opposé. C'est un item qui va jouer pour les ultimes et qui va permettre concrètement de faire
des dommages AOE autour de toi et une réduction de la magie. Et c'est vraiment broken. On n'a pas de CD. Et ça, ça m'étonne vraiment qu'ils aient pas forcément mis de CD. Parce qu'on imagine bien, par exemple, vous imaginez un Udyr. Voilà, je dis pas plus. Imaginez un petit Udyr AP qui met ses petits R, qui les spam. Si son R gagne en permanence 60 d'AP, enfin 60 de damage par seconde en AOE, et qu'en plus il y a un scaling AP dessus, t'imagines bien qu'il va tout détruire. Donc c'est pas écrit pour l'instant, l'item sera Omega Broken avec Udyr. Mais voilà, les champions qui ont des lows, Kassadin, Kassadin, imaginez Kassadin avec les 20 de haste sur l'ultime. Bon, normalement l'item va être fixe par rapport à ça. C'est peut-être un truc à abuse quand l'item va sortir. Les Kassadin, les Udyr. Dites-moi si vous avez d'autres champions en commentaire, en idée. Mais voilà, des champions qui vont vraiment vous permettre de pouvoir grind avec et vont vous donner beaucoup de possibilités. D'accord. Ensuite, le Storm Surge. Pareil, qui donne de la paix, qui donne de la pénétration. Donc un peu similaire au Luden. D'accord. Et ce qui est intéressant, c'est que ça va donner des boosts move speed et ça va te permettre de faire beaucoup de dégâts sur les fights un peu longs. Parce que une fois que tu rentres en combat, deux secondes après, tu infliges beaucoup plus de dégâts avec des gros tics de damage. Bon, là bien sûr, on est niveau 18, donc ça sera beaucoup moins faible que les 300 de dégâts. T'imagines bien que s'il y a un item qui fait 300 de dégâts, dès que tu le prends à 2800 gold, c'est un peu trop broken. Et c'est un item qui va fonctionner un peu comme le percepteur, qui va donner des golds de bonus, d'accord, si tu tues le champion. Et aussi, l'explosion explose instantanément quand le champion va mourir. On avait déjà eu la vidéo explicative sur le trailer, on va vous montrer, mais l'AOE est vraiment broken et c'est un peu irrespectueux qu'il joue un truc comme ça. Vous allez voir. Bam! Voilà, je sais pas si vous avez l'AOE. L'AOE n'était pas du tout un ultime Regardez, c'est pas son ultime, hein. C'est juste qu'il fait le kill et ça fait une immense AOE. Donc soit elle détonate, soit elle explose quand tu fais le kill, d'accord. Soit au bout de 2 secondes, soit quand tu fais le kill. Et c'est un truc qui va te rapporter énormément de dégâts. On a vu avant le trailer, on a expliqué tous les sorts de Weiwei. De Iwe, je sais plus comment il se prononce exactement le champion. Le problème, c'est que ça va te rajouter beaucoup plus de dégâts AOE. Et que c'est un peu, c'est un statique AOE multi-cible gratuit pour des champions à combo. Donc pareil à la con, il y a des champions qui ont une très grande facilité à te poke. T'imagines bien sur Xerath, le mec il te cale un Q, après ça explose. Je trouve ça pas très équilibré et je pense que ça va être un item qui va poser des gros problèmes. Les ADC, ça va être votre pire saison, voilà, sachez-le. On a un nouvel item tank qui est l'ending Despair, qui va être un item anti-AD, d'accord, un très bon item par rapport à ça, et qui va faire, tant que tu es en combat, ça va te rapporter un truc hyper intéressant, ça va fonctionner un peu comme une cape solaire, d'accord, mais pour une durée beaucoup plus longue, d'accord. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un gros item à sustain. Ça va être surtout un item qui va être, par exemple, joué pour les Horn, pour les Mundo, et même parfois pour certains carries qui vont rester très longtemps. Ça va être un item qui va être possiblement joué sur Belvet, Briar et Karim, des champions qui ont beaucoup de tempo dans les teamfights, parce que c'est des items qui vont lui apporter des petits tics de 200 de sustain, 300 de sustain toutes les 7 secondes en fight. Et vu que c'est des champions qui peuvent beaucoup temporiser, en plus avec des dégâts AOE, ça peut être très intéressant, d'accord. Mais à la base, ça va être vraiment jouable pour les tanks dans League of Legends, et ça va être un item plutôt utilitaire après, hors ça, d'accord. Parce qu'il faut savoir que tu vas tiller 250% là des 40 de dégâts que t'as, d'accord. Mais si t'es tank, les 40 ça va être des 100, d'accord. Donc 250% ça va être 250 HP, mais s'il y a 5 mecs autour, tu vas te heal du 1k HP toutes les 7 secondes en fight. Donc pour un tank, ça va être vraiment broken. Après, à voir exactement l'AOE de l'item, d'accord. Et on va voir, ça va être quand même assez intéressant. Bon, on n'a pas plus d'infos par rapport à ça. On a Lolo Radiance, qui est un item qui va donner énormément d'HP et qui va être un peu ce côté un peu à l'opposé de tu cherches un item AOE à jouer en armure, et tu prends la cape, et dans ce cas-là, tu cherches un item AOE contre des match-up magiques, et t'as Lolo Radiance concrètement, qui a quasiment le même proc, qui donne énormément d'HP, qui donne 600 HP, et qui va te permettre de faire beaucoup de dégâts AOE. Encore plus de dégâts sur les creeps en AOE, donc ce qui va te permettre de facilement prendre le push pour faire des rotates, d'accord. Et ensuite,
ça va te permettre aussi de faire des dégâts AOE quand tu vas tuer des creeps. Donc c'est un item qui va te permettre de prendre très facilement le push sur des sions ou autres. C'est un item qui va te permettre de vraiment one shot ta wave et de rotate énormément. Donc ce qui va être intéressant sur cette saison, c'est qu'on a beaucoup d'items qui te permettent de créer du push. On a vu l'item AP mage, on a vu cet item tank, et donc les jeux vont moins se jouer en lane et beaucoup plus sur les rotates pour aller possiblement aller jouer. Bah on va voir, hein. Et vous allez voir la stratégie, vous avez les dégâts AOE. C'est concrètement une hydro vorace pour les tanks, et ce qui va permettre de push hyper rapidement les lanes, et ça va d'une part dynamiser énormément le jeu, donc soyez prêts à un jeu beaucoup plus dynamique sur League of Legends à partir de cette saison. Ensuite, on a le Crypt Bloom, qui est un item AP avec énormément de péné. Pour 2800, vous avez 30% de péné, avec un CD qui dure 60 secondes, d'accord. Et ça, ce qui va se passer, c'est que... What the fuck? Ça fait une zone de healing. Alors imagine ça sur Veigar. Sur Veigar, tu mets du 1000 HP heal à tout le monde. Ça va être que marcher sur les kills, malheureusement. Mais ça fait une énorme zone de heal qui va heal tes alliés. Donc c'est un truc, je sais pas si ça va fonctionner sur les assists. Si ça fonctionne sur les assists, ça peut être très puissant avec certains supports, d'accord. Mais par exemple sur certains midlaners, parce que c'est un item qui donne de la péné, ça va te donner un truc illogique. On part par exemple sur un Veigar qui a 1000 d'AP, d'accord. Qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que le champion va one-shot quelqu'un et il va proc du plus 800 HP à toute sa team, donc du 4000 HP, avec un item qui donne de l'AP et de la pénétration. Donc, comme je vous dis, on part sur des items vraiment qui ont un peu ni queue ni tête, qui vont apporter une value monstrueuse et avec des trucs vraiment pas très logiques. On aura... Ce qui reste aussi intéressant, c'est qu'on a vraiment un peu de tout. On a du heal AOE, on a des dégâts AOE. La méta va vraiment changer par rapport à ça, et ça, ça va vraiment être intéressant. On a le Voltaic Cyclos Sword, un item pareil, un peu similaire à la Yumu, à la Draktar, un peu dans la même catégorie, d'accord. Concrètement, c'est un système qui, c'est un item qui va s'énergiser, comme la lame tempête, comme le statique, concrètement, et ça va avoir le même effet que le Draktar. Tu vas stack, tu vas gagner des effets bonus et tu vas slow la personne. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un item qui va se stack quasiment 100% plus rapidement quand tu vas mettre des dash. Vous imaginez un petit champion, petit Rengar, item parfait pour lui, il fait que dash, c'est parfait, d'accord. C'est un item qui est aussi beaucoup synergisé, on va dire par exemple avec les Z ou autres. Donc tous les champions qui ont beaucoup de dash, c'est un item qui va être très viable parce que sans dégâts bonus, c'est pas négligeable en premier item. C'est un item qui va rajouter énormément de dégâts en early game et ça risque d'être un first item classique sur beaucoup de champions dans League of Legends parce que c'est aussi un item qui va proc sur ta jungle et donc qui va permettre de push très facilement. Merci Oni pour ton raid. Bienvenue, on est en train de regarder tous les items sur le nouveau patch, d'essayer de tout vous expliquer, d'arriver à comprendre qu'est-ce qui est Omega Broken. Il y a des trucs, vous allez voir des Veigar qui vont mettre 4000 de heal dans des fights, ça va être n'importe quoi, d'accord. Et merci, j'espère que ton live s'est très bien passé. Bon, concrètement, c'est le même item que l'ancienne Draktar avec le slow, il n'y a rien d'autre à dire par rapport à ça. On arrive sur un autre item, et j'espère que c'est pas le plashard définitif. C'est un item avec énormément d'RM pour de la tankiness, d'accord. Et ce qui va se passer, c'est qu'en fait, c'est un item qui va être fonctionné un peu comme le passif de Malphite, mais avec du shield AP. Concrètement, c'est à partir du moment où tu t'es pas frappé durant une dizaine de secondes, bah t'auras un shield de THP bonus, 20%. Et ce qui est vraiment pas négligeable, parce que quand tu vas être sur des match-up poke et que tu vas par exemple jouer un tank, qu'est-ce qui va se passer? Et bah tu vas counter tous les Xerath, tous ces champions similaires. Parce que imaginez ça sur Shogat. Imaginez ça sur les Shogat 8000 HP. Il a un shield de... Le mec, il a un shield de 1500 HP sur lui, RM. Tu lui pètes, il attend un peu, il la re, il revient. Concrètement, c'est un item qui va être assez intéressant sur des situations de poke. Et... par exemple, sur des match-up, par exemple des Rumble, où juste tu vas reculer, tu vas tempo 2 secondes et tu vas revenir. Et c'est un item, first item, qui va être souvent pris par des top laners quand tu auras des purs match-up AP contre toi, des Kennen, des Rumble, des Gwen. Et en fait, c'est des items qui vont te permettre de gagner tes short trades. Tu vas vouloir faire plein de petits short trades de 20% HP et tu seras dans tous les cas gagnant. Mais par contre, c'est vrai que les 80 d'AP sur un item, je trouve ça quand même très, 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 très élevé.
à voir si je pense que ça va être équilibré, parce que 80 DRM, c'est vraiment, 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 vraiment beaucoup. Voilà, c'est un peu abuse, il faut faire gaffe. On continue avec d'autres items, on a le Caster Companion. On a beaucoup d'items AP, et ça, c'est assez intéressant, d'accord. Donc, c'est un item qui se stack 3x6 en 18 secondes. Concrètement, d'accord. Et qu'est-ce qui va se passer, c'est que quand il est stacké, à chaque stack, donc il se stack en permanence, c'est que ton prochain sort gagne des dégâts supplémentaires, d'accord. Donc le gros problème qui va être posé, c'est que concrètement, si chaque charge fait 42 dégâts, c'est un scaling AP. Donc on arrive sur des dégâts qui sont peut-être un peu trop élevés, les plus 300 de dégâts sur des longs trades. Et tous les champions qui vont vouloir mettre du poke en long CD, pas forcément des Xerath, mais des champions qui ont peut-être un peu plus de CD avec des gros trades long range, ça va être des champions Omega Broken. Donc c'est vrai que Xerath ça marche plutôt bien, tu vas avoir des Séraphines ou autres. C'est des sorts qui vont marcher sur des targets. Donc en fait concrètement ça va aussi marcher sur les creeps, donc ça va poser un peu problème là-dessus. Mais en late game par exemple sur des Zoé, c'est un item qui va rajouter énormément de damage, parce que tu vas stacker, tu vas essayer de trouver des opportunités, et ça sera très puissant. C'est un item qui va être très dur à utiliser, parce que je pense que tu auras beaucoup de mal à utiliser tes shots correctement en lane. Mais normalement il va se passer un truc qui va être quand même assez cool, c'est que c'est un item late game qui va être vraiment broken sur l'ajout des dégâts, parce que c'est un item qui a des ratios AP, d'accord. Et que là on est sur Blitzcrank qui a 100 d'AP, d'accord. Et si vous imaginez bien que si Blitzcrank il a 500 d'AP, et bah la stack c'est 120, d'accord. Et vu que tu peux avoir 6 stacks, et bah l'item va te rajouter 800 de dégâts en fait. Donc à équilibrer, peut-être à faire sauter ce ratio AP et plutôt se mettre un ratio XP. Mais pour les champions qui ont une grande facilité à avoir de l'AP, c'est un des meilleurs items qui a du scaling sur League of Legends, parce que c'est sans doute l'item qui rajoute le plus de dégâts du jeu. Donc ça, il faut vraiment faire gaffe à cet item. C'est quand vous êtes feed, c'est votre condition de victoire, d'accord. On va juste voir un peu l'interaction de l'item, d'accord, parce que je crois qu'il frappe aussi en AOE. Donc là, on va voir une stack. On va voir. Alors, petit grap, bam. Ouais, concrètement, petit coup de dégâts avec le stacking. Et ce qu'on voit, c'est que quand il frappe, normalement, les CD, ils restent concrètement. Donc, voilà. Et ça marche que sur les sorts. Ça marche que pas sur les auto-attaques et que sur ses éclairs. Donc, c'est un item qui sera pas non plus jouable pour les champions qui sont un peu hybrides. Voilà. Ensuite, on va arriver sur un item assassin. Donc, toujours avec les stats d'habitude. Et d'ailleurs, ce qui est un peu dommage, il devrait, je pense, scinder des items attaque létalité et attaque ability pour empêcher que juste les gens cliquent droit sur tous les items létalité du jeu et qu'ils soient tout contents et d'avoir plus d'adaptativité par rapport à ça. D'accord. Alors, l'item a l'air trop drôle, d'accord. Ça va créer des situations très drôles. C'est concrètement quand tu vas tuer quelqu'un, tu vas créer un clone de toi-même, un peu comme Nico, un peu comme Fiddle, un peu comme Shaco, d'accord. Et ce qui va se passer, c'est que si un champion meurt alors que tu l'as frappé récemment, ta statue va gagner de plus en plus de damage, concrètement. J'aimerais bien voir l'interaction que ça donne. Mais ça a l'air assez banger, ça a l'air assez drôle. Donc concrètement, ça va créer des clones de Shaco. Je sais pas si on va pouvoir créer plusieurs clones de Shaco. Ils spawnent dans la base concrètement. Et je sais pas s'ils vont pouvoir se déplacer, d'accord. L'item est un peu buggé, d'accord. Mais t'as une situation très drôle, on va dire. Un Z qui va tuer quelqu'un et il y a un autre Z qui va spawn, puis un autre Z, puis un autre Z. Les Z vont vous chase, venir vous frapper. Donc ça peut être assez drôle. Et même avec Shaco, avec le clone, ça fait encore plus de clones, encore plus de DPS. Mais je pense que le problème qui va être présent, c'est que les statuts sont lockés à un KHP pour l'instant. Et que vu tous les items d'AO de match qui spawnent petit à petit, bah peut-être que les statuts vont pas non plus être si broken. Mais ça peut être très intéressant même pour tanker des skillshots ou autre, à voir ce que ça donne. Alors, on a un item enfin qui fait des dégâts on hit. Les Kog'Maw, ils vont se la toucher, d'accord. Donc, ce qui va se passer, c'est que c'est un item, donc 32 dégâts on hit, il va coûter 3000 gold, d'accord. Et il a deux particularités, d'accord. La première particularité, c'est concrètement, c'est que pour chaque auto-attaque infligée, il va gagner des ups de statistiques, donc il va être de plus en plus tanky, d'accord. Et ça va alterner entre gauche-droite, 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 donc il va te falloir mettre
10 auto-attaques afin de stacker l'intégralité de tes statistiques. D'accord ? Et ce qui va se passer, c'est que ça va te donner plus 25 d'armure, plus 25 DRM, et plus 30 de PNR armor, et plus 30% AP. Concrètement, ça va être un item qui va pas forcément être joué que sur les ADC, mais ça va être un item qui va être méga broken sur Jax. D'accord ? Sur tous les auto-attaqueurs du jeu qui vont jouer hybride. Kog'Maw, Jax, c'est même un item qui va pouvoir être joué sur Kennen, sachez-le. Mais voilà, tous ces champions qui ont une nécessité d'overage, damage, on pense aussi totalement au Warwick. Ça va être très très puissant sur Warwick, on a le pote Walou qui va kiffer l'item. Mais voilà, c'est un item qui va poser peut-être un peu de problème parce que 25 d'armure, 25 DRM sur par exemple un Kog'Maw, ça va bien péter les couilles, d'accord ? Donc à voir ce que ça donne. Après, l'item est quand même assez cher, il donne pas de sustain, à voir. Parce que on avait l'obo du rouleau avant, qui donnait comme de la move speed, et là t'as pas forcément cette move speed, donc à voir ce que ça donne, d'accord. On a un item qui va être pour les champions AD avec un tout petit peu d'AS, donc je vous laisse à votre avis, je vous laisse quelques secondes. À votre avis, quel est le champion qui profite le plus de cet item dans League of Legends? Je vous laisse un peu réfléchir, on réfléchit un peu. Alors, il y a deux choses. Tout d'abord, dans l'intellect collectif, les gens vont dire des ADC. Mais, qu'est-ce qui va se passer? C'est que t'as un petit champion qui s'appelle Garen, d'accord? Et qui va pouvoir, en teamfight, et Jax, Garen et Trinda vont se faire un pur kiff sur cet item. En fait, tous les champions qui ont de la temporisation et de l'engage vont être Omega Broken, et des champions qui vont pouvoir se permettre d'ultime en early game. Parce qu'en fait, ce qui se passe, et donc là, il y a un problème à savoir par rapport à ça, c'est la question, est-ce que l'item a un CD, d'accord? C'est pas indiqué que l'item a de CD, d'accord? Donc t'imagines bien que si tu joues Kog'Maw et que t'as un item pour 3000 gold, qui donne 55 d'attaque, qui donne 55 d'attaque speed, qui donne 15% de move speed à l'infini, tu vas kiffer, d'accord? Donc déjà, la première chose à se poser comme question, c'est est-ce que l'item aura un CD? Et s'il n'a pas d'item, s'il n'a pas de CD, bah t'imagines bien que pour 3000 gold, avoir 55 d'attaque speed, 55 d'AD et 15% de move speed, c'est le meilleur item du jeu, et tu vas le faire avec tous les champions qui ont un lot ultime CD. Donc, on vous redébloque ça. Imaginez les Udyr qui vont appuyer R, E pour engage les Udyr AD. Ah, c'est pas drôle. Exactement. Imaginez les champions qui vont vouloir ulti fast, comme les Jax. Ah, les champions qui, malgré qu'ils utilisent un ultime finish teamfight, vont être broken. Skarner. On a Tryndamere. On a Kayle. Donc l'item, ils doivent mettre un CD sur l'item, autrement c'est finito, d'accord? Parce que, comme je vous ai dit, Kog'Maw, Udyr, les plus gros champions de League of Legends, ça va être très drôle. Mais de l'autre côté, c'est un item qui va être un peu unbalanced, parce que ça va te permettre de gagner tous tes trades de League of Legends si tu le fais en premier item, en top lane par exemple. Donc ça, gros problème. On a un autre item qui va rajouter. Donc là, moi, ce que je me rends compte pour l'instant, c'est qu'on a beaucoup d'items AD, très peu d'items AP. D'accord ? C'est un peu étonnant. On a un item un peu off-tank AD, mais qui donne beaucoup d'AD, parce que 55 d'AD, c'est beaucoup. Et concrètement... What ? Alors, on n'a pas le CD. Alors, c'est le passif de Aatrox, concrètement. On a le passif d'Aatrox intégré dans l'item. Alors c'est hyper intéressant pour la sustain. On dirait un peu le Divine. On dirait un peu un rework du Divine, j'ai l'impression. Mais avec un peu trop d'AD. J'aimerais un peu voir l'interaction que ça fait. Mais voilà, il y a le CD. Il n'y a pas forcément d'indicateur qui montre le CD de l'item. Ah voilà, 6 secondes cooldown par cible. Mais l'item reste quand même assez intéressant parce que 8% de missing health de regen,
Vous imaginez bien que en teamfight, tu vas pouvoir le proc 5 fois. Est-ce que tu vois logique? T'imagines bien que tu vas pouvoir proc 40% de tes missing health dans les teamfights si tu frappes différentes targets. Donc l'item est peut-être un peu trop broken par rapport à ça, surtout même que avoir les 150% de dégâts supplémentaires sur ta première auto-attaque et que ça a 6 secondes de cooldown, t'imagines bien? Est-ce que tu vois les Vayne top faire ça en premier item et toutes les 6 secondes te mettre une petite roulade auto-attaque en top lane? Est-ce que t'as envie de sortir la petite scie et commencer là? Même Shaco très intéressant, parce que ça va proquer aussi sur le clone, t'imagines bien. Donc ça va être terrible, voilà. Il y a... Je suis désolé de dire, mais voilà, il y a des items où ils vont profiter 1000 fois plus à d'autres champions et ça va être un peu terrible, mais bon. On a la Shadow Flame, bien sûr, qui est rework, qui va upgrade les dégâts magiques et les dégâts bruts, qui vont faire des dégâts critiques sur les cibles qui vont être low life. Donc, c'est moi, j'imagine bien ça. Cet item, j'ai envie de le prendre avec Brand, tu vois. Tu vois, j'ai envie... j'ai envie de prendre Brand, tu vois. Et j'ai envie de gagner plus de 20% de dégâts sur, avec mon passif sur les cibles low. C'est mon rêve, d'accord. Mais l'item, il coûtera trop cher, je pourrais pas le prendre avec Brand. Et ça va être très fort comme finisher pour synerger sur des finishers, concrètement. On pense directement aux Veigar, hein, qui vont presser des R sur les cibles à 35% HP et qui vont être obligés de les one-shot. On va penser aux personnes qui vont jouer avec le créateur de faille qui fait des dégâts bruts et qui va donc multiplier les damages du créateur de faille. On va très bien imaginer les Gwen qui font des dégâts bruts, qui vont pouvoir multiplier les dégâts bruts de Gwen. Donc tous les champions qui ont des dégâts bruts et dégâts magiques vont briller avec cet item parce que leurs dégâts bruts qui n'étaient pas forcément EP vont être EP et ça va rajouter un potentiel monstrueux sur le champion. Le Zhonya, on vous dit bye bye. Pourquoi je vous dis bye bye Zhonya? Alors là-dessus, on n'est pas sûr à 100%. Je m'explique pourquoi. Parce que le Zhonya, il l'avait indiqué comme item qui arrêtait de donner de l'AP. D'accord? Donc là, il donne 120 d'AP. C'est beaucoup trop. D'accord? Ils ont augmenté le CD du Zhonya pour pouvoir l'activer concrètement. Mais moi, ce qui me pose problème, c'est que on avait certains leaks qui indiquaient qu'il ne donnait plus d'AP, qu'il va donner 50 DRM et 50 d'AP. Donc à voir si c'est sûr et certain. D'accord? Et j'espère que ça va pas être le cas. Encore un nouvel... Ah ouais, mais ça... On a le même concept que l'hydrovorace, concrètement. C'est la même hydrovorace létalité. Moi, ce qui me pose problème sur le patch, c'est qu'il y a beaucoup trop d'items létalité qui sont sortis. D'accord? Il y a beaucoup trop d'items AD létalité qui sortent. Alors pourtant que l'éclipse ne saute pas. Donc, je trouve ça pas tout à fait sa logique niveau game design de vouloir garder tous ces items de damage et létalité. Voilà, regardez comme c'est broken. Regardez comme c'est broken. Bam, bam, bam. Et vu que tu frappes plusieurs personnes en AOE, ça proque encore plus d'AOE. Donc, et en plus que tu peux l'activer comme l'ancienne Hydra. Donc, l'Hydre profanée, je trouve ça un peu trop broken. Et regardez, ça se répète sur les cibles AOE. Donc bon, les assassins sont un peu trop broken par rapport à ça. Et là, comme on voit, pour l'item support, il y a 5 nouveaux items support qu'on va pouvoir choisir comme upgrade une fois qu'on arrive à prendre la première evolve de son item. On aura des items à regen mana, etc. Et en fait, il faut voir qu'ils ont tous un passif différent. Et là, c'est sans doute une des plus grosses updates en tant que support depuis quasiment 10 ans, d'accord, qui va s'effectuer depuis l'arrivée des items support. Et ça va être vraiment cool, d'accord. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est que, et c'est des interactions où, par exemple, là, te faire frapper par un champion ennemi va réduire ses dégâts durant une certaine durée, d'accord. Ça va te mettre un shield et ça va réduire les dégâts de certaines durées. L'interaction est hyper intéressante, d'accord. Ensuite, deuxième item, qu'est-ce qui va se passer? C'est concrètement, tu vas pouvoir proc des bulles de heal et de shield à tes alliés quand tu vas les booster. Donc ça aussi, interaction hyper intéressante niveau peeling. T'imagines bien que si tu prends ça sur Sona, le champion devient Omnia broken et que la pierre de lune, si elle... en fait ça remplace la pierre de lune et limite en x2, l'interaction est broken. D'accord? Ensuite, t'as des côtés plus damage qui vont faire exploser, donc un peu comme une comète, et t'auras aussi des pourcentages max heal d'explosion. Donc ça va être hyper intéressant au niveau poking. Et ça, en fait,
Je suis désolé de le dire, mais cette saison, les ADC, vous êtes morts. D'accord ? Les ADC, vous êtes morts. D'accord ? Les champions Squishy, vous êtes morts. Les supports, vous 1v1. D'accord ? Donc ça, ça fait vraiment chier. Et c'est pour ça que l'item, il est vraiment broken au niveau damage. Mais que l'item peeling support va arriver à counter et proposer un cancel par rapport à ça. D'accord ? Ensuite, on a du healing et des boost move speed quand vous allez mettre des CC ou des slows. Donc ça, ça va être assez intéressant. Parce que vu que les slows sont aussi considérés là-dedans, tu vas avoir des situations, par exemple avec Karma, où quand tu vas toucher un Q, ça va donner un boost de move speed de 80 move speed à toi et à ton allié. Et donc ça va te permettre de faire de l'engage. Donc ça veut dire qu'un support qui a une facilité de mettre du slow à long range, ça va permettre de booster move speed ton allié le plus proche et donc d'arriver à créer de l'engage très facilement, parce que 90 de move speed durant 4 secondes c'est Omega Broken. Ça risque d'être nerf et d'être réduit sur la durée. Pour l'instant, les items support sont les items les plus broken du jeu, d'accord. Et après, après avoir utilisé un sort, votre prochaine auto-attaque inflige 180 de dégâts bonus on hit. Si la cible est un champion, vous appliquez faiblesse, qui augmente les dégâts qu'il subit de 12%. Ou 8 si vous êtes à range. Alors, Senna botlane, Ashe botlane, mais attendez, Panthéon botlane, oh, mais attendez, on parlait que je mettais weakness, mais qu'est-ce que fait déjà le PTA sur League of Legends? Il applique aussi une weakness. Donc, si je jump sur quelqu'un avec Panthéon et que j'ai mon passif, la cible subira donc 20% de dégâts supplémentaires. Oh, c'est quand même sympathique. Mais attendez, imaginez, vous n'avez pas supprimé la congruence qui permet d'augmenter les 20% de dégâts supplémentaires sur les champions que vous ciblez. Ah, mais attendez, vous infligez 40% de dégâts supplémentaires quand vous jumpez sur quelqu'un? Oh, pour toute la team. Oh. Bon, comme on voit, on voit les interactions qui sont quand même un peu illogiques, d'accord. Il va se passer des trucs de dingues. Mais moi par exemple, tu vois, là on parle des damages, mais vous imaginez bien que cet item, ok, imaginez vous jouez Ashe botlane. Vous imaginez le potentiel de healing? Vous imaginez la lane, quelle gueule elle va avoir? Imagine quand tu slow ou quand t'arrow quelqu'un. Tout le monde peut engage. Donc, il y a quand même des dingues, d'accord. Ça marche aussi avec le Q d'Yumi. Oui, vu qu'il applique le slow. Donc, ça a quand même des dingues, d'accord. Imagine. Attends, réfléchis un petit coup. Alors là, l'interaction, c'est pas sûr à 100%. Tu joues Nami. Tu mets ton E sur ton allié. Ton allié, quand il va frapper, il va slow quelqu'un. Donc ton allié va gagner 100 de move speed durant 4 secondes. Il va gagner 25% de move speed durant 4 secondes. C'est un peu fort, non? Attendez. On joue Kog'Maw Nami bot. Tu E avec Nami. Donc le mec court hyper vite, il gagne 100 de move speed flat. Et après, les gars, qu'est-ce qu'on fait? Non, mais juste pour être sûr. Qu'est-ce qu'on fait? Ah, attendez. On met un item qui, quand tu presses R, tu gagnes 15% de move speed et 35% attack speed. Pourquoi le Kog'Maw il a 800 de move speed de base, les gars? Attendez. Pourquoi le Kog'Maw a 800 de move speed de base? Y'a un problème, non? Pourquoi il a 2 d'attack speed là, niveau 6? C'est vraiment bizarre ça quand même. C'est suspect, hein. Bizarre. Bon. Tout ça pour vous expliquer qu'il y a des belles dingueries, d'accord? Que le fait d'avoir supprimé ce côté mythique va permettre de prendre beaucoup d'items très puissants et donc d'avoir ce côté où si vous êtes bien dans la game, il va y avoir des interactions d'items qui vont être n'importe quoi. Par contre, le côté qui est intéressant, c'est que on arrête d'être imbriqué, enfermé dans vas-y, il y a ce build ou ce build qui est joué, et on va avoir un côté où il y aura sur la plupart des champions 2, 3, 4, 5 builds différents à jouer. Plus version utilitaire, plus version tanky, plus version DPS, etc. Et ça, ça risque d'être hyper intéressant, d'accord.
Donc le but, voilà, c'est d'arriver à comprendre ça, que le but surtout de ce patch, c'est d'empêcher, d'éviter ce qu'on a pu voir depuis 1, 2, 3 ans, des tout le temps les mêmes builds, et d'avoir ce côté où, ben bref, faites-vous plaisir. Vous pouvez jouer avec plein d'items différents. Tanami, tu peux la jouer avec des dégâts AOE, tu peux la jouer full peeling, tu peux la jouer full move speed, etc. Enfin bref, tu vas avoir des gameplays, des playstyles différents. Et ça risque d'être très intéressant sur League of Legends, voilà. Je t'ai fait un peu la review des gros items qui vont être ajoutés, et en fait tous les items qui ont été rajoutés, en t'expliquant, bah, essaye aussi de visualiser dans quelle situation il va être broken, et tu te dis, oh my god, je vais jouer ça, ça va être trop fort sur le prochain patch, je vais tout défoncer, d'accord? Donc le but, c'est d'arriver à comprendre ça. J'espère que c'était assez clair, il y avait beaucoup de choses qui ont été dites, mais j'espère, voilà, que t'es arrivé à te retrouver ton bonheur, et que t'es arrivé un peu à découvrir les items, et en tout cas, voilà. N'hésite pas à nous venir... nous follow en live, et autrement si t'as des questions n'hésite pas, si tu veux qu'on t'explique des choses, et même si t'as trouvé des interactions qui sont broken. Moi j'adore le côté Udyr où tu presses R, et quand tu presses R t'as 60 de dégâts en AOE qui sont autour de toi à l'infini, en plus peut-être un peu trop broken, on verra bien ce que ça donne. C'était Exit, ciao ciao.